à l'émission hebdomadaire du sport tambourin. Vous avez été nombreux à nous demander des explications concernant le fonctionnement et la formule des championnats de l'Hérault. Nous avons donc demandé au président du comité départemental, Christophe Garnier, de nous expliquer le fonctionnement. Les championnats de l'Hérault se déroulent en deux phases. D'abord une phase régulière qui s'étend de mars à fin août, au cours de laquelle les équipes s'affrontent sous forme de championnat. Il y a trois championnats chez les messieurs, deux chez les dames. Championnat Hérault 1, Hérault 2, Hérault 3 messieurs et Hérault 1, Hérault 2 chez les dames. Les phases de poule, une fois terminées, les équipes les mieux classées dans chaque poule, donc la poule A et la poule B, se rencontrent lors d'une finale qui se déroule le premier week-end de septembre. Au cours des championnats, il faut être très régulier quand on joue au niveau des équipes, vu qu'il n'y a bien entendu pas de match nul. Il y a des matchs uniquement en 13 jeux, avec toujours un vainqueur. Et d'autre part, en fonction des résultats, il y a des bonus défensifs ou offensifs. Les équipes qui perdent avec moins de 2 jeux d'écart marquent un bonus défensif, et les équipes qui gagnent avec plus de 2 jeux d'écart marquent un bonus offensif. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque l'on joue, et bien entendu ça rend les championnats des exercices où la régularité prime avant tout sur la victoire sur telle ou telle équipe. La course aux places en finale se poursuit, retrouvons ensemble le résumé d'une rencontre. On a bien joué dans l'essentiel, même si on a gagné à l'arche. On savait très bien qu'on pouvait gagner encore plus large, mais on a préféré limiter pour permettre d'avoir un bon jeu et un bon match. Disons que là, cet après-midi, on a affronté les premiers de poule. Donc match assez compliqué, le temps pourtant était idéal. Mais voilà, c'est une équipe qui va monter l'année prochaine, qui le mérite largement. Donc on a essayé de faire au mieux.
Voici les autres résultats du championnat Héro 1 et les classements dans les poules A et B. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à suivre l'évolution des compétitions du sport tambourin.